Salut à toi, c'est Clément et bonne année 2021. Sur cette chaîne YouTube, La Pomme Augmentée, je t'ai parlé de deux technologies émergentes qui sont le face tracking et la réalité augmentée. Apple met l'accent sur ces deux technologies depuis 2017. Cela a commencé surtout avec l'iPhone 10 qui est équipé à l'avant d'un système de caméra qui s'appelle TrueDepth. Il permet entre autres Face ID, qui est la reconnaissance faciale 3D d'Apple, mais également d'autres technologies de face tracking et donc de suivi du visage par le biais des animojis et des memojis. L'iPhone 10, tout comme les iPhones et iPad sortis depuis fin 2015, sont également équipés des fonctions de réalité augmentée à l'arrière de ces appareils. En mars 2020, Apple a continué de mettre l'accent sur la réalité augmentée en intégrant à l'arrière des iPad Pro de quatrième génération un scanner LiDAR. Je t'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais ce scanner LiDAR scanne en 3D la pièce environnante jusqu'à une distance de 5 mètres et permet de mieux intégrer les éléments en réalité augmentée sur des surfaces telles que des tables, des murs ou d'autres types de surfaces horizontales ou verticales. Apple a également intégré ce scanner LiDAR à l'arrière des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Et ce scanner LiDAR sur ces iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, en plus d'apporter des fonctions avancées de réalité augmentée, il permet également d'apporter des nouveautés au niveau photographique, telles que l'autofocus plus rapide en situation de basse luminosité, mais également la prise de photos en mode portrait avec le mode nuit, également en situation de basse luminosité. Et en plus, le scanner LiDAR des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max permet aux malvoyants de savoir à quelle distance se trouvent des personnes par rapport à ces iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Que nous réserve Apple en 2021 en termes de produits de technologies émergentes? Que ce soit pour le face tracking, la réalité augmentée ou même la réalité virtuelle. Tu es sur la pomme augmentée et je te partage tout cela dans cette vidéo. L'AirTag est un petit objet circulaire auquel il serait possible d'accrocher à des objets du quotidien tels que des sacs à dos, des colliers d'un animal de compagnie, des bagages ou d'autres types d'objets du quotidien à la manière des balises Tile. Mais contrairement à ces dernières, les AirTags fonctionneraient avec les produits Apple existants. Ces produits, donc les Mac, les iPhones et les iPads, y compris les Apple Watch, enverraient des ondes GPS vers ces AirTags, y compris hors ligne. Les AirTags, selon des rumeurs et des fuites, seraient également équipés de la puce U1, qui permet la technologie ultra-wideband. Comme je t'en parle de ma vidéo
Apple Watch Series 6 AirTag à localisation augmentée, la technologie Ultra Wideband et donc la puce U1 est présente dans les iPhones depuis l'iPhone 11 à l'exception de l'iPhone SE de deuxième génération, mais également dans l'Apple Watch Series 6 que j'ai à mon poignet. Cette technologie Ultra Wideband permettrait aux iPhones équipés de cette puce U1 d'afficher un GPS en réalité augmentée à proximité de ces AirTags et donc à proximité des objets accrochés à ces AirTags. Également, selon des brevets, il serait possible d'utiliser ces AirTags pour des applications en réalité augmentée telles que des jeux d'échecs auxquels on placerait un AirTag sur une telle surface et le plateau d'échecs aurait été augmenté, s'afficherait à l'emplacement de ces AirTags. Ça fonctionnerait également pour des inventeurs et d'autres types d'applications et jeux en réalité augmentée. Selon Drone Processor, l'AirTag sortirait au printemps 2021. Donc, il est possible qu'Apple fasse une keynote au mois de mars 2021 pour présenter l'AirTag. Selon Mingxiao Digitimes et d'autres personnes et journaux à l'origine de rumeurs d'Apple, cette dernière sortirait des iPad Pro de 5e génération également au printemps 2021. Par rapport à ce qui se dit sur ces iPad Pro, il se dit qu'ils auraient les mêmes diagonales d'écran que les iPad Pro de 4e génération, à savoir un modèle de 11 pouces et un modèle avec un écran de 12,9 pouces. Ce dernier modèle serait équipé de la technologie Mini LED à la place de la technologie LCD. Ce serait le premier produit Apple à être équipé de cette technologie d'écran. Ces iPad Pro de 5e génération seraient également équipé du processeur A14X qui s'inspirerait du processeur M1 présent dans les derniers MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini. Par contre, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, rien n'a fuité quant à une possible amélioration du scanner LiDAR de ces iPad Pro de 5e génération. Un rendu 3D d'un supposé iPad Pro de 5e génération de 11 pouces laisse entrevoir un scanner LiDAR qui ressemblerait comme deux gouttes d'eau au scanner LiDAR d'iPad Pro de 4e génération. Si Apple améliore ce scanner LiDAR, qu'apporterait-il? Est-ce qu'il aurait une portée plus élevée? Est-ce que les objets auraient été augmentés et ça se ferait encore plus précisément? Pour le moment, je n'en sais rien. Tout comme l'AirTag, ces iPad Pro de 5e génération seraient présentés durant une keynote en mars 2021 pour une sortie de la foulée. iPhone 12S. Trois tailles d'écran différentes et un design global similaire aux iPhone 12. C'est une des rumeurs au sujet des iPhone 12S.
Avec ceci, les iPhone 12S ou 13, quel que soit leur nom, auraient Touch ID qui ferait son retour cette fois-ci sous l'écran. Touch ID, c'est l'accent d'empreinte digitale d'Apple. Je dis aussi, cette fois-ci selon Ross Young, que les iPhone 12S Pro et 12S Pro Max aurait un écran OLED LTPO pour bénéficier d'un taux de rafraîchissement variable de l'écran jusqu'à 120 Hz à l'image des iPad Pro. Les iPhone 12S Pro et 12S Pro Max, peut-être l'ensemble de la gamme des iPhone 12S, aurait un objectif ultra grand angle amélioré par rapport à celui des iPhone 12. Maintenant, parlons de l'encoche de ces iPhone 12S qui, selon DigiTimes, Makoto Takahara et Ice Universe, serait rehaussée. D'abord, l'encoche, le haut-parleur qui se situe dans l'encoche serait rehaussé dans la bordure supérieure. Et ensuite, des composants qui composent la caméra TrueDepth qui est dans l'encoche seraient fusionnés. Voici un dessin d'Ice Universe qui montre sur quoi l'encoche des iPhone 12S ou 13 ressemblerait. Si cette encoche est modifiée, est-ce que Touch ID sera aussi amélioré? C'est une possibilité. Actuellement, Face ID est extrêmement sécurisé, mais cette technologie a encore des points à améliorer. D'abord, sur les iPhones à l'heure actuelle, il est possible de l'utiliser seulement en mode portrait. Selon un brevet, Apple travaillerait à rendre Face ID compatible dans tous les sens, comme sur les iPad Pro. Et enfin, ce brevet montre que Face ID à l'avenir pourrait déverrouiller l'iPhone en identifiant uniquement une partie du visage de l'utilisateur si celui-ci n'est pas complètement en face de la caméra. Pour finir avec ces iPhone 12S, le scanner LiDAR, selon DigiTimes, serait apporté sur l'ensemble de la gamme. Est-ce que le scanner LiDAR sera amélioré? Pour l'instant, je n'en sais rien, comme je te dis, avec les iPad Pro qui sortiraient au printemps 2021. Donc, on peut déduire que qu'Apple chercherait à mettre encore plus l'accent sur la réalité augmentée et qui prépare peut-être quelque chose de plus grand. Je t'en parlerai tout à l'heure. Mais en attendant, les iPhone 12S sortiraient à l'automne. Il se pourrait qu'ils sortent en septembre, contrairement aux iPhone 12 qui sont sortis en octobre et en novembre 2020. Selon Mick Fucchio et Mark Gurman, les iMac et MacBook Pro de 2021 verraient leur design changé qui serait globalement plus plat. Ils auraient également un écran bras-bord. Celui des iMac aurait une diagonale de 24 et 32 pouces, alors que celui des MacBook Pro aurait une diagonale de 14 et 16 pouces. Selon Mick Fucchio et Mark Gurman, les MacBook Pro auraient un écran
mini-LED après que les AirPods Pro de 2021 aient adopté cette technologie d'écran. Il se dit également que les MacBook Pro verraient la technologie MagSafe et le lecteur de carte SD faire leur retour. Maintenant, bien que ces iMac et MacBook Pro auraient pas mal de changements de design par rapport au modèle actuel, avec également un processeur de la gamme Apple Silicon plus puissant que le processeur M1 présent dans les MacBook Pro, MacBook Air et Mac Mini sortis fin 2020. Selon Mark Gurman, la caméra TrueDepth qui permet Face ID ne verrait pas le jour sur les premières itérations de nouveau design des iMac et MacBook Pro. Selon lui, il serait peu probable que la caméra TrueDepth et donc Face ID soit disponible sur les iMac et MacBook Pro de 2021. Est-ce qu'elle sortira en 2022? C'est une possibilité. Il y a quelques mois, je t'ai fait une vidéo au sujet de la caméra TrueDepth des futurs iMac et MacBook Pro et ce qu'elle apporterait. Je te mets cette vidéo dans la description. Et pour finir, avec ces iMac et MacBook Pro, ils sortiraient entre mi-2021 et fin 2021. À l'heure actuelle, pour bénéficier de la réalité augmentée sur iPhone et iPad, il est nécessaire de les tenir à bout de bras, ce qui peut se révéler fatigant pour les bras sur une période prolongée. Également, Apple, à l'heure actuelle, ne s'est pas encore implanté sur le marché de la réalité virtuelle avec un produit dédié. Cela pourrait être chose faite dès 2022, selon Mark Gurman. Selon lui, Apple travaillerait sur un casque autonome de réalité virtuelle, principalement avec quelques fonctions limitées de réalité augmentée. Ce casque de réalité virtuelle et augmentée permettrait la capture de mouvements du propriétaire grâce à des caméras extérieures. Et également, il serait vendu à un prix beaucoup plus élevé que les casques de réalité virtuelle Oculus Quest et HTC Vive. C'est pourquoi Apple viserait les développeurs, les gros amateurs de réalité virtuelle et augmentée avec ce casque. Celui-ci serait utile pour les jeux vidéo ou également des événements sportifs et musicaux en réalité virtuelle et peut-être aussi en réalité augmentée. Ce casque aurait un système d'exploitation qui s'appellerait ROS pour Reality OS. Il aurait la possibilité d'ajouter dans ce casque des lentilles de vue pour les personnes qui portent des lunettes au quotidien. Et enfin, ce casque aurait un processeur plus puissant que le processeur M1 des derniers Mac, à tel point qu'Apple aurait été obligé d'intégrer des ventilateurs dans ce casque pour le refroidir. Maintenant, bien qu'Apple travaillerait sur ce casque, selon Mark Gurman,
Il se pourrait, si Apple n'est pas satisfait, qu'il annule complètement ce projet. Mais en tout cas, s'il sort, ce serait pour 2022 et il préparerait le terrain pour des lunettes de réalité augmentée qui s'appelleraient Apple Glass et qui sortiraient dans plusieurs années. Et je te ferai une vidéo dédiée sur le futur de la réalité virtuelle et augmentée avec ce casque de réalité virtuelle et augmentée et les lunettes de réalité augmentée d'Apple qui sont au centre de rumeurs depuis plusieurs années. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Donc, si tu veux me dire quelque chose concernant cette vidéo, n'hésite pas à me faire part dans les commentaires. Et aussi, si tu as des idées de sujets qui concernent les technologies émergentes en lien avec les outils Apple, aussi, n'hésite pas à me faire part dans les commentaires. Comme tu l'as remarqué en regardant ma chaîne, je n'ai pas publié de vidéo depuis 3 mois et demi. Durant ce temps-là, je fais une longue pause et je vais aussi continuer de développer le iPhone en réalité augmentée dont je t'ai parlé un peu dans ma précédente vidéo. J'espère être en mesure de présenter la première bêta de ce jeu iPhone en réalité augmentée au mois de février. Comme tu as pu le voir aussi, la qualité de la vidéo a été améliorée parce que j'ai maintenant un iPhone 12 Pro Max que j'utilise pour mes vidéos YouTube et pour la réalité augmentée. Dans les vidéos à venir, je vais te faire des 3 vidéos de comparatif de réalité augmentée entre tous mes produits Apple compatibles. D'abord, mon iPhone SE de première génération contre l'iPhone 11. Ensuite, l'iPhone 11 contre l'iPhone 12 Pro Max. Et ensuite, l'iPhone 12 Pro Max contre mon iPad Pro 2020. Et à l'avenir, je vais essayer de sortir des vidéos plus régulièrement et je pense que je les sortirai à une semaine d'intervalle les unes des autres. Après t'avoir dit tout cela, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.